La moyenne annuelle enregistrée de la dépense de l'État en ce qui concerne les risques majeurs est d'environ 34 milliards de dinars par an en intervention post-événement, dont trois risques principaux, à savoir les séismes, les feux de forêt et les inondations. La pandémie COVID-19, qui est considérée comme étant un risque majeur au sens de la loi 0420, donc a induit malheureusement 2756 décès en 2020 et a induit environ 500 000 emplois donc perdus, qui sont des emplois directs. Et si on considère l'informel, le secteur informel, on peut aller jusqu'à 1 million d'emplois perdus.